Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter tes élèves dans ta classe, dans l'application en classe. Donc, dans l'application en classe, dans ton groupe, tu vas appuyer ici sur Inviter des élèves parce que présentement, il y en a zéro. Donc, il y a un code qui va s'afficher ici. Il faut maintenant aller sur les iPads d'élèves pour entrer ce code. Sur l'iPad d'un élève, on va aller dans Réglages et à gauche, ça va apparaître en classe parce que j'ai activé l'option Inviter des élèves sur mon iPad de prof. Avant d'appuyer sur Rejoindre, n'oublie pas de modifier les options d'autorisation et d'y mettre les deux à Toujours. Donc ici, on m'offre de rejoindre le groupe 01, ce que je vais faire, et je dois entrer le code de mon enseignant. Et je peux aussi modifier le nom de mon iPad ici par le nom de l'élève ou comme ici par le numéro du iPad. Donc moi, je vais le laisser comme l'iPad 1 et j'appuie sur Rejoindre. Donc, sur l'iPad du prof, on voit présentement l'iPad 01. Donc, je fais la même chose sur chacun des iPads de mes élèves et quand j'ai terminé, j'appuie sur « Ajouter ». Donc, ici, je vois maintenant qu'il y a un élève dans mon groupe. C'est l'appareil 01 ici. Et on voit que l'élève présentement dans « Réglage » et quand il va quitter comme ça. Donc, je vois automatiquement ce que mon élève est en train de faire. S'il ouvre, par exemple, l'appli « Photo », bien, je le vois apparaître automatiquement. Donc, dès qu'il quitte une application pour aller dans une autre, je peux suivre ici mon élève et voir ce qu'il fait. Si vous avez déjà un groupe et des élèves dans le groupe et que tout d'un coup, vous avez un nouvel iPad en classe et que vous désirez l'ajouter, il suffit d'aller sur les trois petits points ici et de sélectionner « Inviter des élèves ». Donc, un nouveau code apparaît ici et sur l'appareil de l'élève. Il suffit d'aller sélectionner « Rejoindre le groupe », d'entrer le code. Et de sélectionner « Rejoindre ». Et je fais « Ajouter ». Voilà, c'était comment ajouter des élèves dans votre groupe dans la classe.